Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous la joie? Amen. Une merveilleuse parole. Les gens nous voient, mais ils ne savent pas que nous sommes déjà les enfants du roi. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes et des princesses. Et tous les héritiers du trône. Et tous les héritiers du trône. On est sûr et certain. On est solo, pétembezalité. Lilo, tous zupé libala. Aujourd'hui, nous avons aussi un mariage. Bandeko, babiso, baye, baoutaki, mbujimai. Nos bien-aimés qui venaient de Mbujimai. Bakubalana kalamingite. Très bientôt, ils vont se marier. Lo kola to lo bakiango sima ya litea lelo. Comme nous l'avons dit, après la prédication aujourd'hui, nous l'avons promis pour ce dimanche. Deko Pierre Ndombe kopesa biso na bokuse lisolo ya mobembo mobemba kiye na ngambo ya ebale. Frère Ndombe va nous faire un bref récit du voyage qu'il a effectué du côté de l'autre côté du fleuve. Na ngumba mokonzi Brazzaville, dans la ville capitale Brazzaville. Et na banza ezana ndeko mususu pe na lobaki pe Zandeko Kennedy Bonessau na bokuse pe soki amemelaki biso bambote uta na province ya Tshwapa na ngumba Bwindi. Je pense qu'il y a aussi le frère Kennedy Bonessau, si, qu'il a effectué un voyage dans la province de la Tshwapa Bwindi. Il a aussi quelque chose à nous dire en bref. Pouvons-nous lever? Et nous allons lire la parole de Dieu. On a coupé ça, moi, ma commune, na oyo, tout y kozoa. Afin d'ajouter quelques écritures sur ce que nous venons d'avoir. Tokozoa Exode Mokapo Moazomi Nalibwa. Nous allons prendre Exode, le chapitre 19. Commençons par le verset 5. Pouvons nous arrêter au verset 8. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ça c'est puis ceux qui bosali koyoka mongongo mlangai. Et si vous gardez mon alliance, et ceux qui bobateli boyoka ninangai, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Bo kozala bangai kati na mabota manso.
Car toute la terre est à moi. Zambi, mabele mobimba ezali yangai. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Boko zala pona ngai, boko njimoko ya bamalanga Nzambe pe kolomoko mo santo. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Talani maloba maye okoyebisa na bana Israël. Moïse vint appeler les enfants, les anciens du peuple et oui, les enfants du peuple. Moïse les anciens du peuple. Moïse ayaki kobianga bampaka ya libota. Et il mit devant eux toutes ces paroles. Piachaki liboso na bango maloba mansomaye sans une modification. Makozanga kobongisa. Sans une modification. Makozanga kobalola. Comme Yahvé le lui avait ordonné. Lolenge Yahweh apesa ki emitindo pona yango. Le peuple tout entier répondit. Libota mobimba bayanolaki. Nous ferons tout ce que Yahvé a dit. Tokosala nyonso Yahweh lobaki. Sans discussion. Nakozanga kobendana. Moïse rapporta les paroles du peuple à Yahvé. Mose amemaki maloba ya libota epai na Yahweh. C'est-à-dire, ikoloba, nous ferons tout ce que Yahvé a dit. Tokosala nyonso oyo Yahweh alobaki. Il était comme un médiateur. Yazalaki lokola molobeli. Ce que Yahvé s'adresser au peuple. Yango Yawazala Kikolobala Libota. C'est Moïse qui rapporta cela au peuple. Mose ndame maki yango ipaina libota. Et la réponse du peuple. Peyano ya libota. C'est Moïse qui rapporta cela à Yahvé. Mose ndame maki yango ipaina Yahweh. Amen. Amen. Teka kolonzambe asopa lipambuli likolo ya litangi ya liloba na kombo ya Yesu Kristo. Puisse l'Éternel Dieu répandre la bénédiction sur la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Awa polele polele. Ici très très clairement. Jambe sima ya kubimisa libota lya ye. Dieu après avoir fait sortir son peuple. Banango ya Israël. Les enfants d'Israël. Nde a yebisa ki Moïse alobela bango maloba mayi. Il va dire à Moïse de leur dire ces paroles-là. Na verset aliboso. Au premier verset. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Sans ami sato na sima ya kobima na bango tamboka Egypto. Donc esengelaki yambo yambo babi manan. C'est-à-dire il fallait avant tout qu'ils sortent. D'abord. Mais après leur sortie. Kasina sima kobima na bango. Les enfants d'Israël. Bana Israël. Arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Bakoma kina mokolo wana na lisobe ya Sinaï. Wana déjà basi bamichi katina mobembo. Là ils se sont déjà mis dans la marche. La Bible dit après leur sortie. La Bible lobi nasima kobima na bango du pays d'Égypte. Utamboka Egypto. Les enfants d'Israël. Bana Israël. Qui étaient sortis. Bai babimaki. Arrivèrent. Bakomaki.
Vous ne pouvez pas arriver à cet endroit. S'ils n'étaient pas sortis. Et après leur sortie, ils se mirent en marche. C'est pendant qu'ils marchaient. Ils arrivèrent à cet endroit-là. Maintenant, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Ils continuent à marcher, à voyager. Israël campa là. Israël a été qui mola koana. C'était où? Vis-à-vis de la montagne. Nangambo yangomba molai. Kotalana. Kotalana nangomba molai. Vis-à-vis de la montagne. Kotalana nangomba molai. Maintenant Moïse monta vers Dieu. En réalité sur la montagne. La montagne de Sinaï. Et puis Moïse na Yahweh. Là où Moïse s'était rencontré à la cime de cette montagne là. Dans un conseil, c'est-à-dire dans une conférence. Lui-même avec Dieu. Alléluia. Dans une conférence. Amen. Conférence céleste. Likita ya Lola. Nzambe akitaki. Dieu est descendu. Moïse abouti. Moïse est monté. Bakutane likolo ya songe ya ngomba mulai. Ils se sont rencontrés sur la cime de la montagne. De babandi kosolo. C'est là qu'ils ont commencé à parler. Amen. Amen. Moïse monta vers Dieu. Mosa matake pa nzambe. Et ce Dieu-là Benzambewana s'appelait Yahweh. Et Yahweh l'appela du haut de la montagne. Yahweh bianga ki e uta likolo na ngoma molai. En disant Nakolobaka. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Okoloba bongo na ndako ya Yakobo. Okolobande boy. Tu parleras ainsi. Donc ndenge na zwe bisayo wana ndenge yokuzongela. Donc ce que je te dis là, c'est ce que tu vas répéter. Tu parleras ainsi. Okoloba boy. À la maison de Jacob. Na ndako ya Yakobo. Aux enfants d'Israël. Nabana Israël. À mon peuple. Et tu diras aux enfants d'Israël. Nabana Israël. Qui constitue la maison de Jacob. Et voici les paroles en question. Tala. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous-même, devant vous, Libosona bino, ce que j'ai fait, Ongana Salaki. Vous avez vu cela. Bomona kiango. On ne vous a pas raconté. Babete la kibino li solote. Vous êtes des témoins oculaires. Bozali banzene ne kobamona na miso. Et comment je vous ai, voyez, je vous ai porté
sur des ailes d'aigle. Likolama papu yampongo. Notre Dieu. Zambe na biso. Il est le grand aigle. Azali mpongo ngo monene. La mère aigle. Mama mpongo. Qui porte ses enfants. Oya memaka bana baye. Sur ses ailes. Na mapapu na ye. Et il compare, comparait jusqu'à aujourd'hui ses prophètes aux aigles. Et encore, même ses enfants sont aussi les aigles. Amen. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Na Égypte. Et comment je vous ai porté Pelo lengeni na memaki bino. Sur des ailes d'aigle. Likolo na mapapu ya mpongo. Et en vous portant Pena komemaka bino. Et je vous ai amené na memaki bino. Pas ailleurs. Esika mosusu te. Mais vers moi. Kase pai na ngai. Vers moi-même. Et pas une angamoko. Pas vers un homme. Et zalite pas une pas vers une dénomination. Une organisation. Mais vers moi. Et pas une angai. Maintenant. Ça c'est pire. Le petit mot si. Il aura mukio yo soki. Le si conditionnel. Soki oyo yamasengeli. Ce n'est pas obligatoire. Mais il y a une condition. Il dit maintenant. Si vous écoutez ma voix. À condition que vous écoutiez ma voix. Et si vous ne l'écoutez pas. C'est votre problème. Non pas seulement l'entendre, mais l'écouter. Et aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pas seulement entendre, mais écouter. Parce que nous sommes obligés à n'écouter qu'une seule voix. La Bible dit. Bible lobby. Écoutez-le. Boyokaye. Et il arrivera que tout âme qui n'écoutera pas la voix de ce prophète sera exterminé. Du milieu de son peuple. Amen. Amen. Si vous écoutez ma voix, pas la voix d'un homme, mes brebis écoutent ma voix. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous le tiez, vous alliez prouver cela. En m'écoutant. Écoutant ma voix. Et la voix d'un homme, c'est sa parole. Et dans ce cas-ci, sa voix, la voix de Dieu, la voix de Yahvé, c'est sa parole. Maintenant, sa parole, c'est la Bible. Amen, elle est faible. Amen. La Bible, Biblia, est la parole de Dieu. Et en tant que telle, c'est la voix de Dieu écrite. La parole de Dieu écrite. Et aussi le langage de Dieu écrit.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi vous, juifs, ne comprenez-vous pas mon langage? Et lui-même donne la réponse. Il leur dit, parce que vous ne pouvez écouter ma voix. Et dans ce cas, il vous est difficile de comprendre mon langage. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et voici la raison de votre compréhension. Quand j'emploie mon langage, vous ne pouvez pas le comprendre. La cause, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma voix. Non, vous ne pouvez écouter ma parole. Attendez. Lisons. Totanga. Amen. Afin que nous soyons dans la certitude. Jean 8. Yohane Mwambe. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Même quand je parle, vous ne comprenez pas mon langage. Et de fois, vous avez évité le pourquoi. Mais voici la cause. Amen. Parce que vous ne pouvez écouter ma voix, ma parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. Comme vous ne pouvez pas écouter ma parole, et c'est ainsi que vous ne comprenez pas mon langage. Dieu a un langage. Un langage divin. Dieu est esprit. Et c'est un langage spirituel. Dans des choses spirituelles. Amen. Amen. Paolo alobi. Paul dit dans 1 Corinthiens, Namoko ba Corinto, au chapitre 2, Namoko pour moi, Balé, Abiboui. Il dit ceci: dans verset 13, Namolongo Zomina Misato. Il dit alobi, les choses que Dieu a préparées pour nous. Biloko bien zamba, bongisa kiliboso pour abiso. Dont l'Esprit de Dieu nous les a révélés. Vous voyez, frère? Ce que tu bandes attend dans verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vu. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il s'agit de quelque chose. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui ont l'amour divin. Ceux qui aiment Dieu. Et qui gardent sa parole. Ceux qui aiment Dieu. Et qui gardent ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Pour ceux qui ont l'amour de la vérité. Pour n'accepter que la vérité. Pour ne croire que la vérité. Pour n'obéir qu'à la vérité. Dieu lui-même. Dieu lui-même leur a préparé des choses. Et les choses que Dieu leur a préparées. L'œil n'a point vu cela, aucun œil ne les a point vus. Atalito imogote liyo kango. Aucune oreille ne les a point entendus. Ces choses-là ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est quelque chose. Des choses que Dieu lui-même a bongi cela qui a préparé baye bakulinga ye pour ceux qui l'aiment et ye bakate et sache que ceux qui l'aiment baye bakulinga ye tout chaud concourt le à leur bien bona bola mona bango. Romains 8 baloma mwambe verset 28 mona tumela mwambe. On reste frères. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux que Dieu aime. Mais de ceux qui aiment Dieu. Qui prouvent leur amour envers Dieu en gardant ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont point pénibles. Si nous avons de l'amour envers lui, ne sont point pénibles pour les garder. Pour le croire. Parce que Jambi, l'amour Bolingongo croit tout. Bolingongo. Nous croyons tout ce que Dieu nous dit. Zambé, parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous l'aimons en retour. Donc, on l'ingère pour la raison que c'est là. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu est correctif. Et c'est Mbolaka. Lui-même nous dit, moi, Gai, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et on l'ingère pour la raison. Celui que je l'aime, oh, yo, naza, je le châtie. Na, kope, se, tumba, bolingo. Mon amour est ça. Bolingo, na, ye, zali, mon amour bolingo, na, a dit Dieu. Yolo, baki, nzambe. Nous dit Dieu. Yolo, bina, piso, nzambe. Mon amour est ça. Bolingo, na, ye, zali, et mon amour sanctifie. Bolingo, na, pe, santi, saka. Mon amour est pur. Et mon amour purifie. Mon amour. Châtie. Je chéris tout celui que j'aime. Je le châtie. Je le corrige. Je le ramène au droit chemin. Je le redresse. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour divin. Et c'est cet amour-là qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Oh, il y a Pesa qui bisou. Oui, yo. Non pas seulement Zakakate.
à l'étape du scellement. Même par la nouvelle naissance. Oui, frères et sœurs. Dieu nous donne son esprit. Nous venons de l'entendre il n'y a pas longtemps. Parce que voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, verset 1. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le Père nous a témoigné son amour. Il n'est pas resté seulement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ. Dieu est devenu notre Père. Nous sommes devenus ses enfants. Ses fils et ses filles. Il nous a adoptés. Par notre Seigneur Jésus. Dans son amour. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Lui qui nous a rachetés. Et qui nous a donné, il nous a accordé l'adoption. Il nous a placés. Nous qui étions d'abord enfants d'hommes. En nous rachetant du péché. Nous qui étions esclaves du péché. Il nous a rachetés. Et après nous avons rachetés. De l'esclavage que nous étions. Des esclaves que nous étions. Il a fait des esclaves rachetés. Ses enfants. Quelle grâce! Quel amour! Dieu nous a rachetés par son amour. Et il nous a adoptés par son amour. Dieu nous a prouvé son amour. Pas seulement l'amour pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à nous, il nous a témoigné son amour. Nous qui étions enfants d'hommes. Nous qui étions esclaves. Il nous a rachetés. Et des esclaves que nous étions. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a accordé la liberté. Nous sommes libres en Christ. Quant au péché. Libres. Mais nous sommes esclaves de Christ. Des esclaves de Dieu. Des prisonniers de Jésus-Christ. Pour obéir à sa volonté. Pour faire sa volonté. Pour que sa volonté soit accomplie par nous. Et dans notre vie quotidienne. Amen. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Oh, je suis libre, frère. Mais ne faisons pas de notre liberté un voile pour vivre selon la chair. Ne faisons pas de notre liberté un prétexte à vivre selon la chair. Non. La liberté que le Seigneur nous a donnée. La liberté que le Fils nous a accordée. Il est le libérateur. Il est le libérateur.
celui qui délivre, celui qui rachète, le rédempteur, le racheteur. Vous voyez, frère, il nous a rachetés. Il nous a délivrés. De la même manière qu'il délivra les enfants d'Israël. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Et nous a accordé la liberté de la même manière qu'il accorda la liberté aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres dans le Seigneur. Il dit, et il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et en étant véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et après avoir connu la vérité, et la vérité elle-même vous affranchira de toute erreur, de toute interprétation, de toute fausse doctrine. La vérité est la même. Vous affranchira. Quiconque se livre au péché, il devient l'esclave du péché. Quiconque se livre au monde et aux choses du monde, il devient esclave du monde, esclave des choses du monde. Mais si le Fils, n'oubliez pas qu'il y a le Fils, il y en a aussi des esclaves. Mais l'esclave ne demeure point pour toujours. Il ne demeure point toujours dans la maison. Parce qu'il est un esclave. D'un moment à l'autre, on pourra le chasser ou le tuer. Parce que c'est un esclave. Il ne demeure pas toujours dans la maison. Mais celui qui demeure dans la maison, toujours, c'est le Fils. Parce qu'il est l'héritier de la concession. Il est l'héritier de la maison. Il est l'héritier du domaine. Il est l'héritier du Père. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a que le Fils qui peut vous affranchir pour que vous soyez réellement libre. Et Jésus-Christ n'est pas un Fils, il est le Fils. C'est lui le libérateur qui nous a franchi. Azo. Qui nous a franchi et qui nous a franchi et nous sommes devenus réellement libres. Et le Fils est la parole et la parole est la vérité et c'est la vérité de Dieu qui nous a franchi de toute fausse doctrine, de toute interprétation. Vous connaîtrez la vérité. Et vous serez mes disciples. Véritablement mes disciples. De vrais disciples. Et la vérité, elle-même, vous affranchira. Regardez, c'est la vérité qui a franchi. Et encore, c'est le Fils aussi qui a franchi. Et le fils et la vérité sont un. Jean chapitre 8. À partir du verset 30 jusqu'au verset 36. Les awanas. Ça se trouve là.
Vois comment les gens sont esclaves du mensonge. Ils sont liés à ce que le prédicateur leur a dit. À ce que les églises leur ont dit. À ce que les hommes. Ils sont esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais s'ils connaissaient la vérité, ils seraient libres, ils auraient la liberté. Ils seraient délivrés. Ils seraient franchis. Du mensonge. Jusqu'aujourd'hui, ils sont esclaves du mensonge. Amen. Amen. Oh notre Dieu. Et si c'est la vérité qui a franchi? Et la vérité c'est Jésus. Jésus. C'est-à-dire le Fils. Il a dit. Mais je suis la vérité. Jean chapitre 14. Verset 6. Jésus-Christ est la vérité. Père, sanctifie-les. Par ta vérité. Père, délivre-les par ta vérité. Enfranchis-les par ta vérité. Qu'ils soient libérés par ta vérité. Et sanctifiés par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ est le deux. Il est la vérité. Et il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Oui. Nous le voyons descendant du ciel. Et il y a un nom écrit sur lui. Et son nom est comment on dit, la parole de Dieu. Apocalypse 19. Et si Jésus est la parole de Dieu, si son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire, il est la vérité. Amen. Amen. Et c'est la vérité qui sanctifie. Et encore qui affranchit. Qui lave, qui nettoie et qui purifie. Et c'est toujours la vérité qui régénère, qui nous fait naître. Nous naissons par cette vérité. Oui. Vous voyez, frère. C'est ça. Car il est écrit, il nous a engendré. Vous voyez? Il nous a engendré. Par la parole de la vérité. La parole est la semence. La parole est de l'eau. La parole, c'est le bain. Le bain de la régénération. L'eau du lavage. L'eau du nettoyage. Vous êtes net. À cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15, verset 3 et verset 5. Je répandrai sur vous une eau pure. Et je vous purifierai. Et son eau pure, c'est sa parole. Et il nous purifie, il nous lave, il nous nettoie, il nous sanctifie, il nous régénère par son eau pure, par son bain, le bain de la régénération.
le lavage d'eau de la parole ou par la parole. Nous, c'est comme cela que nous croyons. C'est la raison pour laquelle nous venons ici. C'est pour que nous soyons lavés. Afin que nous soyons purifiés. Afin que nous soyons sanctifiés. C'est pour cela. À côté de la Bible, il nous envoie la parole. C'est l'eau qui sort de sa bouche. Afin de sanctifier l'église. Afin de laver l'église. Afin de purifier les élus. Amen. Amen. Nous, c'est comme ça que nous croyons. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Avec nous soyons. Justement maintenant, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Et voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et nous les sommes. C'est nous qui serons premièrement moissonnés. Parce que nous sommes devenus des prémices de ces créatures. Et il nous moissonnera. Il nous moissonnera, nous. Premièrement. Nous serons moissonnés avant tous. Il nous emportera dans son grenier. Son grenier céleste. Par l'enlèvement. Croyez-vous cela? Amen. Et là-bas, nous passerons un bref séjour. Nous ne resterons pas toujours là-bas. Non. Nous séjournerons là-bas. Amen. 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 Au moins 7 ans. Sambo. Pas 3 ans et demi. Mais 7 ans. Kasi mbula sambo. Amen. Nous venons de l'écouter. Amen. Et c'est ce qui est écrit. Car l'écriture, ne croyez pas que elle parle en vain. Amen. Amen. Nzambe alingabiso. Dieu nous a aimés. Nous allons passer un bref séjour dans le ciel. Voyez frère. Et dans le ciel, dans un lieu précis. Dans un endroit précis. Dans la demeure future de l'époux et de l'épouse. Dans une place qui nous a promis d'aller nous la construire. Dans la maison de mon père, oui, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais voici ma promesse. Je vais vous préparer une place. Il y a une place précise. Il est allé nous la préparer. Où? Dans le ciel. Pas dans tous les ciels, mais seulement une place dans le ciel. Notre place à nous, préparée pour nous, ce sont des choses dont l'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu. Comme cette place. Amen. Amen. Il est
allez nous la préparer. Je vais vous préparer. Et l'apôtre dit de choses que Dieu a préparées. Et l'une de ces choses, c'est cette place-là qui est appelée la nouvelle cité. La ville sainte. La nouvelle patrie. La Jérusalem d'en haut. Celle qui est appelée céleste. Alléluia. Amen. C'est lui, mais. Qui est devenu notre précurseur. Il est devenu notre précurseur. Il nous a précédés au ciel, dans le ciel, avant notre arrivée, avant notre venue. Celui le précurseur, il est allé nous préparer même la voie, même le chemin qui nous amène là. Et non pas seulement le chemin, mais aussi la cité. Et nous-mêmes ici, nous sommes préparés. Des vases préparés. Nous sommes ces vases préparés d'avance. Pour la ville qu'il est allé nous la préparer. Une ville préparée pour ceux qu'il a préparé d'avance. Regardez comment l'identification. Deux personnes préparées d'avance. Deux hommes préparés d'avance. Par Dieu lui-même. Et il est allé leur préparer une place, une cité, une ville, un pays au-delà des étoiles. Il y a un pays au-delà des étoiles qu'il est allé nous le préparer. C'est ça. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est clair? Et après nous l'avoir préparé, et voici encore sa promesse, et je reviendrai. Et encore une autre promesse, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que nous attendons. Bientôt là. Si nous attendons dans peu de temps, ce n'est pas encore le règne. Non. D'abord, c'est l'entrée de l'épouse dans sa ville, dans sa demeure. Amen. Amen. Oui, Io. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Et ça sera une entrée triomphale. Avec des cris de victoire. Aujourd'hui, nous crions, nous poussons des cris, pas encore de victoire. Pas de cris de triomphe maintenant. Attendez, attendez un peu. Parce que nous vaincrons même la mort. Qui a été vaincu par le Seigneur. Et la mort sera engloutie par la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que c'est clair? Et à ce moment-là, nous ne mourrons plus. Car il y a un mystère. Quelques-uns parmi nous ne répondront pas à ce rendez-vous de tous les vivants. C'est-à-dire la mort. Il y a parmi nous quelques-uns qui n'y passeront point par ces chemins de toute la terre. C'est-à-dire la mort.
Mais ils prendront un raccourci. Une déviation. Alléluia. Amen. Et l'apôtre nous dit, je vous lis un mystère, mais le voici, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Nous serons changés. Ça ne sera pas un processus de beaucoup d'années. Non, ça sera comme un éclair d'œil. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transfigurés, nous serons changés en un instant et en un clair. Voyez comment on cligne l'œil. C'est de cette façon-là. Et c'est un peu de cligner l'œil. Ah, c'est comme ça que ça va se passer. En un instant, un clin d'œil. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et ça sera un événement catholique. C'est-à-dire universel. Dans le monde entier. Sur toute la terre. Le Seigneur viendra. Et il a comparé son retour à l'éclair. L'éclair qui se montre de l'Orient et qui va jusqu'à l'Occident. Ça sera ainsi son avènement. Son retour, un événement universel. Alléluia. Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Ce n'est pas quelque chose qui est prêché par les Branhamistes aujourd'hui. Dans leur égarement, disant que l'enlèvement est un processus. Non. 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 C'est un éclair d'œil. Oui, frère. Et vous allez te. Cri de commandement. Et Yokani Liboso. C'est là nous. Le cri de commandement. Nous n'écouterons pas les cris de commandement. Nous n'entendrons pas ça. Ça sera un cri de réveil. Qui ne concerne que le mort en Christ. Toi, tu n'es pas mort en Christ. Tu n'entendras point ce cri de commandement. Voyez, frère. Ce sont les morts qui entendront ce cri-là. Mais nous, ils nous avaient entendre le nom. Notre cri à nous, c'est le cri de minuit qui réveille les vieilles. Et si aujourd'hui nous sommes réveillés parce que nous avons entendu ce cri-là de minuit. Alléluia. Amen. Et c'est ce cri-là, de Kosalama Nabantaka Yamibu. Ce qui se fera au long des années. À l'espace des années. Voyez, frère. Mais le cri de commandement. Et Kosalaka Nambala Yoko. Une seule fois. Et les morts en Christ. Bakoyoka Yango. L'entendront. Mbeba Kobima. Et ils sortiront. Utanabankunda naba. Dès leur sépulture. Mbeba Kosekwa. Et ils ressusciteront. Et n'entendons pas les sépulcres d'abord. Et pendant leur résurrection. Bakosekwa na kozanga kopola. Ils ressusciteront incorruptibles. Ah. C'est incorruptiblement. Na kozanga kopola. Mbeba Kosekwa. Ils ressuscitent incorruptiblement. Ah. Vous voyez, frère. Comment demander quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous les vivants, déjà de suite, qui crie, nous avons déjà entendu le cri. Le même cri de Zagoyoka, le mort en Christ, c'est Bayoka. Les morts en Christ avaient entendu ce cri-là. Surtout, Bayeyekeke, surtout ceux des Boyoka avant l'enlèvement, Bayoka. Ceux qui sont morts avant l'enlèvement, l'ont entendu. Comment dire cela? Mais en réalité, Kasi na bosolo, Bayoka la voix du bon berger. Bayoka mongongo mbateli yango malamu. Bayoka la voix du bon berger. Bayoka mongongo mbateli malamu. Mais soko tali malam. Mais si tu regardes bien, le cri diminue. Konganga tata butu. Oh yezo yoka malelo. Se fait entendre aujourd'hui. Balinga mikati nankolo. Bienvenue dans le Seigneur. Bana banzambe. Enfant de Dieu.
Ceux qui sont réveillés de la manière qu'il faut, ils préparent leurs lampes. Et ils ne dorment plus. S'ils somnolent, la voix du réveil les réveille. Et cette somnolence-là, c'est l'inattention à la parole. Quand ils ne sont pas attentifs à la parole, c'est comme s'ils étaient en train de somnoler. Et c'est à ce moment-là, de fausses choses entrent dans l'église. C'est à ce moment-là, de fausses choses entrent dans l'assemblée. Parce que Bazo Nimba, car ils somnolent. Amen. Amen. Mais à tout moment, cette petite somnolence arrive. Alors, cri diminue les gens secoués. Cri diminue les secours. Et ils reviennent à veiller. En attendant le retour de l'époux qui leur a fiancé. Amen. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Et enfant de Dieu, la parole est merveilleuse. Ceux qui ont bien compris sa voix aujourd'hui, parce que le cri diminue aujourd'hui, c'est aussi une voix. Il y a eu un cri. C'est une voix. Voyez, frère. Enfant de Dieu. Et c'est à la voix du septième ange. Du septième âge de l'église. Que tous les mystères de Dieu devaient s'accomplir. Comme il a annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 17. C'est comme cela que nous croyons. Et enfant de Dieu, au moment où nous sommes ici, il faut qu'on prête oreille à ce cri de minuit. Du septième âge de l'église. Il faut qu'on prête oreille à son ya trompette. Du septième trompette. Du septième. De la septième trompette, y a quel du septième âge, y a moins d'assemble. De l'église, y a ecclésia. Du septième âge, y a moins d'assemble. Et le, du septième âge, y a l'école d'assemble. De l'église, y a ecclésia. Nous, c'est comme cela que nous croyons. C'est à ce moment-là. De l'antangona. Que était Dieu nous scellera. Zamba kocha bisolembo. De son sceau. Le sceau divin. Parce qu'il nous a envoyé le cri divin. La voix divine. La parole divine. Le message divin. Et nous qui le croyons de tout notre être, qui le croyons de tout notre cœur, il nous scelle de son sceau qui est le Saint-Esprit. Et nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la délivrance de notre corps, notre corps mortel sera délivré de la mort. Amen. Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Ce n'est qu'ensuite, quand nous amène là-bas, tous les guisitants. Il y a 7 ans. Donc l'exemple mi busambo. Ah on a assez. Ici bas. Moussa na Elia. Élise Moïse Eli. Par remplacer bis. Nous remplace. Moïse na Eli par remplacer. Moïse Eli nous remplace. Mais Kobosanat. Mais n'oubliez pas. Ton monde. Nous voyons. Selon Daniel. Regardez Daniel. Au chapitre 12. Namoka pouvons nous parler. Yewana Kiti. Le voici descend. L'ange. L'homme vêtu en blanc. Moto le tel bilamba pembe.
Qui s'était tenu sur la mer. C'est lui qui jurait. C'est lui à qui on pouvait poser la question. Quelle sera la fin de ces choses? Ou l'ici de ces choses? Et il pouvait répondre. Ça sera. Et Kozala. L'ici ou la fin de ces choses? Ça sera. Et Kozala. Un temps. N'entango moko boye. De temps. Bantango. Et la moitié de temps. Bendambo yantango moko. Sur le même moment. Zali komongo nde elobelango moko moko. Dont Malachi a annoncé l'avenir. Oh, Malachi a sakula ki boye boye. Oui. Yo. Et soudainement. Ben poissa. L'ange de l'alliance. Mwanze nangona boyokani. Entrera dans son temple. Akoingela katina temple na ye. C'est lui. Yende. Le Seigneur. Kolongo. Que vous attendez. Oyo bozala que vous désirez. Ose kolo koz. Il entrera dans son temple. Akoingela katina temple. En tant que l'ange de l'alliance. Lokolo mwanze nangona boyokani. Soudainement. Na poissa. Parce qu'à ce moment-là. Katina tangona. Le troisième temple. Temple misatu. Après l'enlèvement, merci, ma connaître, la main. Sera déjà reconstruit. Et, aussi là, quand on a mal, et quand Moïse et Élie descendront, c'est à leur moment-là de la prédication de 3 ans et demi que le troisième étape sera aussi reconstruit. Amen. Et le Seigneur, quand il descendra, comme nous le voyons dans Daniel 12 et dans Malachie 3, verset 1, deuxième partie, verset en tant que l'ange de l'alliance, c'est une venue. C'est une venue. Et le troisième prophète qui a eu la même vision dans l'Ancien Testament, il y a eu deux prophètes. Le premier c'était Daniel. Le second c'est Malachi. Et dans le Nouveau Testament, un prophète aussi a vu la même vision dans Apocalypse 10. Il voit. Voyez frère. Un autre ange ou un ange puissant qui descendait et dans sa main gauche il tenait un petit livre qui était préalablement fermé selon Apocalypse 5. Quand le livre était encore tenu par le propriétaire, le créateur des cieux et la terre, entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, frère? Il était fermé, le livre. Mais maintenant, quand l'agneau a pris le livre, et il a brisé le sceau, et il l'a ouvert, et il a dévoilé des mystères écrits. Maintenant, dans la Bible, je dis, nous voyons l'ange puissant qui descend du ciel, mais dans sa main gauche, il tenait un livre ouvert. C'est la preuve même que au moment de cette venue, le livre est ouvert parce qu'il ne vient pas pour l'église. Et le livre était ouvert pendant que l'église était sur la terre. C'est à ce moment-ci et à un autre temps, à l'âge de l'Odyssée, que le livre scellé de cette zone a été ouvert et les choses ont été brisées et le mystère révélé. Croyez-vous cela? Et Amen. Quand il ira vers les Juifs en tant que l'ange de l'alliance, oui, sur sa tête l'arc-en-ciel
qui montre l'alliance. C'est son alliance avec le juif. Croyez-vous cela? Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 59. Voyez, frère, il ira là-bas. Oui, ça sera son alliance avec eux. Ça ne sera pas une alliance pour qu'il y meure pour la deuxième fois. Il est mort une fois pour toutes. Il est mort pour l'humanité tout entière. D'abord, à Mourant, c'était pour Israël. Et ensuite, pour les nations. C'est le même rédempteur. Le même parent rédempteur. Le même Boaz qui avait racheté Naomi. Et en rachetant Naomi. Et avec Naomi. Ruth. Croyez-vous cela? Et c'est le même parent rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a racheté Israël, dont son type, c'était Naomi. Et a racheté Israël, il nous a racheté, nous les nations, et notre type à nous, c'est Ruth la Moabite. Croyez-vous cela? Par le même sang. Oui. Par le même sacrifice. Le sacrifice est parfait du corps de Jésus. Car Christ est entré dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice ni l'offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un corps sacrifice engendré virginalement dans le sein de la Vierge Marie par le Père lui-même. Car le décret a été donné. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et encore aujourd'hui, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Alléluia. Amen. Est-ce que ça pourrait l'être? Est-ce que c'est clair? Nous, c'est comme cela que nous croyons. C'est pourquoi le premier-né n'a pas honte à nous appeler ses frères. Parce que c'est le même Père qui nous a engendrés. Il a commencé par lui, étant le commencement de l'engendrement de Dieu. Le premier à être engendré de Dieu, le Fils, c'est l'engendré du Père, le commencement de la création de Dieu. Oui, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Oui, et encore le premier-né d'entre beaucoup de frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a fait que ouvrir la piste. Et ensuite, Dieu nous a reçus. Voyez, frère, en le recevant lui et en croyant à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que nous l'avons reçu. La parole qui a été faite, qui est venue chez les cieux. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Et en tant que le Rédempteur, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croyaient en son nom, il leur a donné, comme à nous aujourd'hui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous qui étions enfants d'homme, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. C'est de cette façon-là. Tembe et il n'y a pas de doute. Awa et akaka. Amen. Ici, il n'y a que l'amen. Il y a un frère qui a posé la question à frère Franck. Un frère parmi nous ici
qui est allé vivre à Brazzaville pour le travail. Pour et il a posé une question à Frère Franck. Frère Franck, aujourd'hui, dans des assemblées du message, il y a des applaudissements après la prédication. Toujours des applaudissements. Des applaudissements. Que dis-tu pour cela? Est-ce que ebongi kobeta kandenge wana maboko? Est-ce qu'il faut applaudir comme ça? Il y a aussi même des prédicateurs qui demandent aux croyants d'applaudir. Babeta maboko. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Maboko, 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 maboko. Yolobini. Que dis-tu? Alobi. Il dit. Ngai. Moi. Nano na sala eloko ya ndengo wana. Je n'ai pas encore fait une telle chose. Na pe na momesano angote. Je n'ai même pas cette habitude là. Eloko na yebi. Je sais. Kaka na Nouveau Testament. Seulement dans le Nouveau Testament. Na oyo etali maboko. Ça on se les applaudissements. 1 Timothée 2. Moko Timothée mi balé. Na verset 8. Molongo mwambe. Je veux que na kolinga ete. Les hommes mi balé. Quand ils prient. Tango bako bato. Les bato. Hommes, les hommes bato. 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 Parce que okukitisa maboko ya ba sœur ete. Les hommes ici englobent ouais. L'être humain croyant. So, bato. Tous les êtres. Bato on risque de prendre une prédication. C'est pas le cas. Même dans l'Ancien Testament, toute l'assemblée levait les mains. Nous le voyons dans le livre de Némie. Ou d'Esdras. C'est écrit là. Ne faut pas. Continuons à fabriquer des fausses doctrines. Brisons toutes les machines qui fabriquent des fausses doctrines. C'est le temps de revenir à une seule machine qui est la Bible. Et à ramener toutes choses dans cette machine dédiée pour que la machine éprouve. Que la machine teste. Contrôle. Et voyez frère. Examine chaque doctrine, chaque enseignement. Même chaque homme. Attends, et chaque femme. C'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Biblia. Le filtre. D'un homme qui réfléchit. Il y a tu peux t'habiller comme tu le fais. Il faut qu'on boive ailleurs la machine. Il faut te jeter dans. Il faut qu'on boive à molato ailleurs la carte à filtre. Il faut jeter ton habillement dans. Pour qu'on filtre yo. Puisqu'il puisse te filtrer. Biloko ye bonga ekitate ekotika na wana. C'est qu'il ne faudra pas descendre. Ezana shuki na yo ya mutu. Ce soit dans tes cheveux. Ezana matoi na yo. Ce soit ton zèle. Ezana kingo na yo. Ce soit ton cou. Nyosho ye bonga te ekitakuna. Tout ce qu'il mérite. Eko kangama na kiyungulu. Sera bloqué par le filtre. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Les babali, les arabes. Ce sont les hommes ou les femmes? Babali au bako kata basu qui recolle la bana mabata. Les hommes qui coupent les cheveux comme des canetons. Recolle la bana mabata. Oko kata suki na recolle dingwe. Tu coupes tes cheveux comme dingwe? Ni niangobo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et des femmes qui se coiffent à la garçon. Bon, ça suki na bango recolle la mibali. Honte à vous. Soni na bino. Il faut qu'on boive car cabinon n'a qu'à dire qu'il y a un goût. On doit vous jeter dans le filtre. Natami. Dans le tamis. On tamise, on tamise. Et il faut mon pépé foulak. Et il faut que le vent souffle. Mon pépé foulak. Que le vent souffle. Donc la ndenge, banyungula kabongo los. Comme on tamise le riz. Voyez frère. Moni bandeko. Et mpumburunyo soeza ko pimbo. Et toute la paille s'envole. Oyo eko tika na nakati ya kiyunguru bobele mbuma ya los. Il ne reste que les grains de riz sur le tamis, sur les vannes. Paille nyo soeza pumbo. Toute la paille s'envole. Biroko bi ma dodo mana. Ce boss là. Bibamba bamba nyo so. Tous ces ajouts. Ezali ko pimwa na mope. S'envole, c'est emporté par le vent. Otika na lombu malola mu ya nkolo. Et tu restes les grains du Seigneur le. Alléluia. Nous, c'est comme cela que nous croyons. C'est pas autrement. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Le cantique était chanté aujourd'hui. Tu l'as entendu?
Ça peut être la dernière fois. Aujourd'hui pourrait être la dernière fois. Et l'homme de la Dieu fois a passée, la fois passée. Quand j'ai entendu cette chanson, le joie est envahi mon cœur. La joie a envahi mon cœur cette année. Pourrait être la dernière année. Mais pour avoir la certitude des études. Il y a un feu rouge. Il y a un feu rouge. Et l'homme ne connaît connaîtra même pas la même chose. Il ne connaîtra même pas la semaine de jour. Même pas la minute. Celui qui connaît seulement le Père. Mais notre problème, préparons-nous. Amen. C'est comme cela que nous croyons. C'est comme cela. Ce n'est pas autrement. Alors, il dit, ah bon, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et voici la raison. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et frère Branham a dit, la parole d'un homme, c'est sa voix. Ou la voix d'un homme, c'est sa parole. Et ça, il l'a dit. Pour que tu puisses dire que ça c'est la voix d'un tel. Ah. Ça c'est la voix de qui? Ah! Ezalinde tango mutongo akoloba. C'est quand cette personne là va parler. Ah! Ah oui. Donc liloba liaye. Sa parole. Nde okoluka koyeba sokeza mongongo ya nani. Tu chercheras à savoir si c'est la voix de qui. Yokoluka koyeba te sokeza liloba ya nani. Tu chercheras à savoir si c'est la parole de qui. Liloba oyoki yango. La parole tu l'as entendue. Mais ozoluka koyeba ke liloba wana. Tu chercheras à savoir si c'est mongongo ya nani. Cette parole là c'est la voix de qui. Ou bien, dans cette parole-là, c'est le langage de qui? Qui est-ce qui parle comme ça? C'est la voix de qui se fait entendre comme ça? Bongo. C'est ça. La voix d'un homme, c'est sa parole. Le langage d'un homme, c'est aussi sa parole. Tous les deux. Nous sommes allés. Ezaka lilobanaï. C'est toujours sa parole. Et le langage. Ezale lobeli. Et la voix. Na mongongo. Ezota elande sa parole. Zakota elande lilobaliaye. Et lobeli nangai. Mon langage. Ezo yokanande na lilobana. Se fait entendre par ma parole. Mongongo nanga. Ma voix. Bozo yebangonde na lilobana. Vous la connaissez par ma parole. Sikoyo mongongo ya nzambe. La voix de Dieu. Ezo yebana na liloba ya nzambe. Elle est connue par la parole de Dieu. Elobeli ya nzambe. Le langage de Dieu. Ezo yokana na liloba na nzambe. Se fait entendre par la parole de Dieu. Liloba na nzambe. La parole de Dieu. Oyango oy. La voici. Bible nde lilobango ya nzambe. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Etango Bible ekoloba. Et quand la Bible parle. Oko discerner que za mongongo ya nkolo. Tu discerneras que c'est la parole du Seigneur. Oko discerner que za elobeli ya nkolo. Tu discerneras que c'est le langage du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Yo. Et frère Branham a l'obéi en haut dans sa prédication. Voyez frère, mon bandeko. Dieu de cet âge mauvais. Zambe keke oye le koya mabe. Il y a un Dieu. Ils ont mis dans Zambe moko. De cet âge. Yele koyo. Et ce Dieu là, Zambana. Il est mauvais. Azamabe. Il est mauvais. Azamabe. Le Dieu de cet âge de la Odyssée. Zambe le quoi la Odyssée? Est mauvais. Azamabe. Et vous verrez que. Bon, comment on était? Dans 2 Corinthiens. Au chapitre 4. Il y a des hommes ici sur la terre. Ezana batona mabele. Dont Dieu de ces siècles. Ba Zambe keke oyo. Aveuglé. Azipa. L'intelligence. Mayele. Afin qu'il ne voyait pas briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu de cet âge, de ces siècles, aveuglé leur intelligence. Vous voyez, frère? Et dans Galates chapitre 1er, je crois au verset 4. Notre Dieu bon nous a arrachés
du siècle, de ce siècle mauvais. Le siècle mauvais du Dieu mauvais. Le Dieu mauvais de ce siècle mauvais. Et notre Dieu bon, le Tout-Puissant, il nous a arrachés du mauvais siècle présent. De la main de ce Dieu mauvais qui a aveuglé les yeux. Et vous remarquerez que selon les Écritures, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, nous voyons que l'âge de Laodicée, c'est un âge aveugle. C'est un âge aveugle. Vous voyez, frère? Et Laodicée a son Dieu à lui. C'est son Dieu là qui est un Dieu mauvais. Dans cet âge mauvais de Laodicée, et leur Dieu mauvais a aveuglé les habitants ou les hommes et les femmes de ce siècle mauvais. Il aveuglait leurs yeux. Avec ils ne voyaient point. Même leur intelligence. Avec ils ne comprennent point. Mais en nous, le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Aujourd'hui, quand nous regardons, parce qu'il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert de sa colline. De sa colline. Oui, frère, il a ouvert nos yeux pour que nous voyions. Et aujourd'hui, nous avons la révélation. Nous pouvons voir. Alléluia. Amen. Mais il y a les autres qui sont restés aveugles. Malgré qu'ils regardent, ils ne peuvent jamais voir. Mais nous, en regardant, nous voyons. Et révangiez parce qu'ils voient. Et heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Et vos cœurs parce qu'ils comprennent. Amen. Amen. Est-ce que ça pourrait l'être? Est-ce que c'est clair? Nous sommes demandés, motin de. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et ici, il dit ceci. Ah, alors, biboy. Oui, frère. Yo, bandeko. Mais comme il est écrit, le komama, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, bien lité, yo, ka, so, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Bebi, mata, so, mokete, na, mote, ma, moto. Ces choses-là, biloko, na, ce sont des choses que Dieu a préparées. En d'autres termes, c'était avant la fondation du monde. Il a tout préparé. Nous pouvons aussi dire de toute éternité. Il a préparé toutes ces choses dans sa préscience. Alléluia. Amen. Dans sa préconnaissance, il a tout préparé. Oh, la parole de Dieu. Des choses que Dieu a préparées. Et cette préparation, on peut aussi la dénommer la prédestination. Des choses que Dieu a prédestinées. Alléluia. Amen. Parce que la prédestination signifie préparer d'avance, destiné d'avance. C'est ce que nous sommes. Il nous a prédestinés. Il nous a préparés d'avance. Amen. Est-ce que ça pourrait aller? Et nous sommes ces vases. Vases d'honneur. Comme c'est écrit ici, dans Romains au chapitre 9, il y a deux sortes de vases. Voyez-vous? C'est comme ça que nous croyons. Oh, la parole de Dieu. En tout cas, elle est merveilleuse. Et il dit ceci au verset 20. Oh, homme. Oh, moto. Toi plutôt. Yo, zokande. Qui es-tu Ozali nani pour contester avec Dieu? Bona kobenda na nanzambe. Le vase d'argile. Bekio ya mabele.
Dira-t-il à celui qui l'a formé? Yango ko lobano ya sala ki yango. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oh, pona nino sala ki nga bongo. Oh, mon awabi. Où as-tu vu ça? Oyoga mbeki. As-tu entendu un vent? Eko ga bongo. Ko ben ko tuna motuna mona epa ya moyemi nango. Puisse poser cette question à celui qui l'a formé? Non, non. Eh? Bonani. Pourquoi? Parce que le potier. Encore une autre question. Le potier. N'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse d'argile. Un vase d'honneur. Et aussi. Un vase d'un usage vil. Est-ce qu'il n'est pas maître? Si il est, il est maître de l'argile. L'argile lui appartient. C'est lui qui forme les vases. Un maître à Mabele. Il est le maître de l'argile. Mabele, yango. Et de cette argile. Asalambe qui moko ya lukumu. Qui puisse en faire un vase d'honneur. Tout yankembo. Ou d'honneur, oui. Ou de gloire. Ou de gloire, un vase de gloire. Omone. Voyez-vous. Mbe kakanali ebolo yango ya Mabele. Avec la même masse. Asalambe qui moko ya musala mwapam. De faire un vase d'un usage vil. Il peut le faire. Un maître. Oui, il en est le maître. Et le vin ne lui posera pas de questions. Le vin, c'est nous. Le maître ou le potier, c'est le Seigneur. Voyez-vous. Le maître de l'argile, c'est lui-même. Et que dire? Que dire? Ninango koloba. Si Dieu, pas l'homme, si Dieu voulait montrer sa colère et voulait faire connaître sa puissance, ce Dieu-là, en voulant tout cela, il a supporté avec grande patience. Alors cette patience-là, des vases de colère. Bambekio ya kanda. Ah. Ah oui. Eza na bambeki mususu na mabele wa eza ya kanda. Il y a d'autres vases ici de colère. Parce que Njambe. Parce que Dieu. Akojwa bobele bosawate. N'a pas que de miséricorde. Non. Non, non. Mais il a aussi la colère. Azupe kanda. Il n'a pas que la grâce. Il a aussi la fureur. La fureur. Tout cela Dieu en a, il possède ça. Alors, il dit Isaïe 63. Il dit dans Isaïe 63. Mais, lisons un peu, hein. Tu écoutes un peu ça. Njambe d'abisso. Notre Dieu. Toko mona eka njambe yangolo. On va seulement Dieu de grâce, Dieu de grâce. Dieu miséricordieux. Eh, ça a solo. Oui, ça c'est vrai. Aza yango. Il l'est. Azui biloko biso bina. Il a toutes ces choses là. Meko bosa na te. Mais n'oublie pas. Ape moto mogozi kisaka. Il est aussi un feu dévorant. Njambe biso ndi meli. Le Dieu que nous croyons. Achili kagape. Il se fâche aussi, hein. Il se met en colère. Il se rappelle à Kanda. Faut connaître ça. À quoi continuer à agneau, agneau, agneau. Oh, non, non. Azakamana un jour, comme un lion. Ah, comme un. La tribu de Juda. Il y a liberté, il y a Juda. Il y a corrigé. À quoi nous l'oublions. Il faut connaître tout ça. Et Banabanza. Et enfant de Dieu. Esaïe solo. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, Esaïe 63. Naïsa trouve mon tomanam. Yoka. Écoute-moi. Yoka liloba. Écoute Yoka la parole. Yoka. Écoute l'écriture. Verset Aliboso. Le premier verset. Qui est celui-ci qui vient de Dom? Nanyango yo akoutane Dom. Edom est à Jordanie, allélo. Edom c'est l'actuelle Jordanie. C'est ça. Bongo. Nantangwena babianga magi. Edom. À cette époque-là, Edom. Les Edomites. Bafandi n'ango va bien ramener les Edomites. Bana Esaü. Les enfants d'Esaü, d'Esaü. C'est-à-dire les passés à Jacob. C'est-à-dire le jumeau de Jacob. Qui est celui-ci qui vient d'Edom? N'ango ko uta Edom.
de Botra. Utana Botra. Mais quand je le vois, tant qu'on a comment on a un vêtement rouge. Nabi Lamba Motane. Un vêtement rouge. Nabi Lamba Motane. Kati Nabi Lamba Motane. Un vêtement rouge. Kati Nabi Lamba Motane. Un habit éclatant. Kati Nabi Lamba Kongenga. Ndenanyango. Qui est celui-ci? Il se redressa avec fierté. Pekote le makanali pombu. Sogomoni a se redressé. Si tu le vois se redresser. Ako se redressé comme mignoli sanali pombu. Il se redresse avec fierté. Azande nan. Mais qui est-ce? Dans la plénitude de sa force. Katina liton diaboka siboye. Qui est-il alors? Azali nanikasi. Celui-ci. Mutongo. Alors, c'était une question. Ezaki motuna. Des hommes posent des questions. Bato bakotuna mituna. Mais Dieu lui répond par sa parole. Kasi nzambe akoyanola na lobali aye. Mais écoutons maintenant la réponse divine. Do kasa sepi era no nzambe. Et il dit, alobi, c'est moi. Ezali ngai. C'est moi. Ezali ngai. Qui est promis le salut. Ngai ndenalaka kilobi kwango. Un salut éternel. Lobi komo koyala ala. Pour sauver l'humanité. Bona kobiki samokili. C'est moi le sauveur. Ngai ndemo biki si. Qui est promis le salut. Ngai ndenalaka kilobi kwango. Et ce salut qui sera dévoilé. Le lobi kwango kozi pour la main. Révélé. Komo ni sama. Parmi toutes les nations. Katina biko lobinso. Et ce salut là. Le lobi kwana. Qui commencera. Oyokobanda. Par Israël. Na Israël. Et qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre parmi toutes les nations. Alléluia. Amen. Et c'est un salut éternel. Moi l'éternel qui ai promis le salut éternel. Amen. Amen. Alors une deuxième question. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi? C'est toi Esaïo. Qui a promis le salut. Yondo, la kakilobi kwango. C'est ta réponse. Esaïo, yo. Tu t'es présenté Omitalisaki. En tant que celui Loko. Qui a promis le salut. Loko la yo, la kakilobi kwango. Alors, une deuxième question. Motone bale. Mais pourquoi tes habits sont-ils rouges? Bilambano bizali motane. Vous voyez Omoni. Et tes vêtements Pe bilambano yo. Sont comme vêtements de celui qui foule dans la cuve. Molato na ezalokola, molato ezali ko oyo azali ko nyata kati na zungu monene. Oh mon Dieu. Voyez-vous? Cuve. 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 Et kamoneli. Et kamweli. Et kamweli. Oh mon Dieu. Ouais, voyez-vous? En dehors de tous mes potes, ce salokola na liboka. Comme dans un mortier. Diboka. Un mortier. Oh, balinga mikati nankolo. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Oui. Yo. Zanani. Mais c'est qui? Katina cuve. Dans la cuve, katina kamweli. Dikamuni niwana. Mais ça c'est quoi? Bilamba lokola ya yoyo azraki kunyata katina cuve. Tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Mais pourquoi tes vêtements, tes habits sont comme ça? Encore déjà pose des questions. Et Dieu lui répond par sa parole. Et voici la réponse divine. Et il dit, j'étais seul. Nazala kinga moko. Afoulé au pressoir. Seul. Ngai moko. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et quand je foulais, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Seul. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun berger, aucun ancien de l'église, aucun diacre, aucun homme, aucune femme. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai foulés dans la cuve au pressoir. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Donc je les ai foulés dans ma colère. C'est-à-dire je foulais les peuples dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang, quand je les foulais dans ma cuve, quand je le pressais dans mon pressoir, leur sang a jailli sur mes vêtements. Et ça peut dire que sopanati, qu'on jaillit et pas jani. Et panzanaki. Quand tu foules, c'est comme tu foules une banane. Comment ça éclate là, ça explose. Maintenant, son jus va jaillir sur toi. Va gicler. Quand tu foules, quand tu es en train de les presser, maintenant leur sang gicle sur toi. Ça gicle sur toi. Ça gicle sur toi. Et tous les vêtements sont salis par leur sang. Ces gens que vous voyez là, ceux qui se moquent de vous comme un séjour de dimanche, bakozala pressé, bakonyatama, foulé, bakonyatama, nakati ankele nakanda yanja, dans la colère et la fureur de Dieu. Il faut croyer bakandengo wa, faut connaître cela. Bakonji ya molongo bakondimela yete, il y a des monde entier qui ne le croit pas. Ba gouverneur au bazon d'Imerayet. Le gouverneur qui ne le croit pas. Ba député au bazon d'Imerayet. Les députés qui ne le croient pas. Ba ministre au bazon d'Imerayet. Les ministres qui ne le croient pas. Ba PDG na ba DG. Les PDG au bazon d'Imerayet. Ils ne le croient pas. A ko foulé bango. Il va le fouler. Na cuve naï. Dans sa cuve. Il faut croire bakandenge wa. Faut connaître il cela. Il est Dieu. Azali Nzambe. L'écriture ne parle pas en vain. Il commet le kolobataka tina pamba. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, frère, bon, il faut qu'on y ait un peu. Faut connaître cela. Tu n'as même pas besoin d'envier Batoua. Tu n'as même pas besoin d'envier ces gens-là. Non. T'es? Baza bato yo bakoza la foulé. Ce sont des gens qui seront foulés. Okomo na makila na bakondenge ko panza. Vous verrez leur sang, comment va, il va gicler. Et ko bébé chabiramba ya rédempteur. Ça va salir les vêtements du rédempteur. Le même homme. Aujourd'hui, salut. N'entendu yangolo. Au temps de la grâce. Haringa qui consale la bango. Il avait voulu. Ils ont refusé ça. Bayambi yangote. Ils n'ont pas reçu ça. Alors bon, ça va. Il dit ça va. Et là, quand tu gagnes n'angaya, on a demandé là comme ce qui me reste ici, je ne vois pas autre chose. Donc grâce n'angaya, nasi nasopeli. Dis ma grâce. Je miséricorde na pesibi. Je vous accorde la miséricorde. Bonté na mondisibi. Je vous ai révélé. Nous sommes à Boboakia. Tout cela vous avez rejeté. Boboi offre. Vous avez refusé l'offre. Likaboyo na kabeli bino Boboi. Le don que je vous ai fait, vous l'avez refusé. Alors, sauf que Natali kuna na réserve. Si je regarde dans ma réserve. L'économie n'anga. Dans mon économie. Na trésor. Dans mon trésor. Natika lika na colère. Il me reste que la colère. Natika lika na fureur. Il me reste que la fureur. Potika na bimisera bino. Attends que je vous le fasse sortir. C'est ça, frère. On ne se moque pas de Dieu. Omoni, voyez-vous, il dit j'ai été seul et affoulé au pressoir. Et ni l'homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Et leur sang a réjailli. Et panzanaki. Vous voyez? Bon. Il y a jaillir, réjaillir. Donc, et c'est le cas là, au monde de cas là, et sopanipé, et bandit, kobi. Donc, ils ont bima avec toute vitesse. Magino, ils ont jaillir, ils ont yate, le cas là, ils ont kipota, et ils ont tanga malembe, malembe. Ils ont ça, tcha! Faut que vous ayez bagandengo.
Faut connaître cela qui ne serait pas avec vitesse. Parce que, imaginez, Bilamba na ebe bagindengini. Comment ce vêtement était ça? Il y a lobby azago foulé bango. Il dit il est foulé. Ça dit makro na yete. Ça dit c'est avec ses pieds. Et ses pieds, il est foulé. Alors, si quoi il attend quoi? Kamoli bango ndengo na. Maintenant qu'il est presque comme ça. Donc ce gars tient bango na pressoir. Il est presque. Ce gars kamoli e bokana ye. Il presse. Si quoi yo ba finani. Maintenant ils sont pressés. Ba finani. Ils sont pressés. Makire panjani. Le sang maintenant va jaillir. Et Bilamba nyoso na ye. Tous ses vêtements. Il bebi sami na makirama. Sali par ce sang là. Le peuple. Mabota. Les nations que vous voyez. Bikolo biebo komona. Des pécheurs. Basumuki. Que vous enviez. Obino bozalaka. Bozako lula. Que vous enviez. Voyez frère. Omoni bandeko. Aujourd'hui, quand quelqu'un va en Europe, oh, Dieu l'a béni. Je ne sais pas comment ça, c'est la pauvreté. J'ai demandé aux frères de l'Europe. Même quand je suis allé aux États-Unis, il y a 4 mois. J'ai demandé, vous qui êtes ici, pour être béni, vous voyagez pour aller où? Parce que là-bas. Si tu viens en Amérique, en Europe. Ah, Dieu a béni le frère. Dieu l'a béni. Que Dieu bénisse quelqu'un seulement parce qu'il a voyagé. Est-ce que l'Europe, c'est le ciel? Vous ne pouvez plus avoir ce genre de conception. Parce que vous connaissez la vérité. Laissez-les. Les amalames, les bima. Les aseka. Laissez-les passer de cette façon-là, pas vous. Binote. Pas vous. Vous savez, une frère Franck a témoigné. Frère Franck a témoigné. Sœur Moko na Krefeld. Une sœur à Krefeld. Frère Franck a lobby. Frère Franck dit. Sœur Wana. Cette sœur-là habite un peu loin de Krefeld. Mais elle a vieilli. Maintenant, les bien-aimés lui disent. Mais t'es qui ça? Appartement na yon, ndako no yakuna tekango. Vends ton appartement là, ta maison là, vends ça. Oui, ako vanda pembe ni awa na Krefeld. Viens habiter ici tout près de Krefeld. Elle dit non. Je viendrai de là. Pour venir écouter la parole. Parce que naboy nanga ba déménagement wa. Parce que je ne veux pas ce déménagement là. Nazo zira kaka déménagement moko. J'attends un seul déménagement. Ezeka kolongwa wa. C'est quitter ici. Kokena na Nouvelle Jérusalem. Aller dans la Nouvelle Jérusalem. Yangone nazo zela. C'est ce que j'attends. Mais biswa wa. Mais nous ici. So motoute na village ayé na Kinshasa. Si quelqu'un vient du village, il vient chez Akina. Ayé bi attend na Kinshasa ndenge tolala kati. Il ne sait même pas comment on dort ici à Akina. Et le bas frère est Kalal. A dit frère Kalala. Nakati a maté à Zoé Bisabis. Pendant la prédication, il nous dit. Nabutu. La nuit. Namoy boye au kouti salon. Pendant le jour, na tu vas un salon avec des chaises. Mais y'a un kota la yé vers 23h. Viens maintenant le voir vers 23h. Salon wana yo koutaki. Le salon oh, yo, monage au fandake, goze sous salon. Là où tu étais assis, ce n'est plus un salon. Et goko mambeto. Ça sera tout un lit. Et à kosa la building. Building il va faire un building des canapés les uns sur les autres superposés. Vous voyez? C'est comme ça ici à Kinshasa. Les abongo wana kin. Kuna na mboka mutuna mutuza na ndako na yi. Là à l'intérieur chacun a sa maison. Mutuza na besoin été à quelque loin ndako muninga. Personne n'a besoin d'aller dormir chez autrui. Non. Non non. Villageois nyonse. Tout villageois. Aza na ndako na yi. À sa maison, sa propre maison. C'est comme ça au village. Bon, on est en Mboka. Mais awa. Mais ici. Awa. Ici. Okomona mwana akepa tata mwasi. Tu vas voir, l'enfant va chez la tante. Mususu azepa noko. Un autre chez l'oncle. Tata epa ya ami. Le papa chez un ami. Kama mwasi epa ya koko na ba. La ici, maman chez sa grand. Eza bongo na kini. Soki boye bakati. Si vous ne le saviez pas. Quelqu'un retourne au village, il est béni. Tu sais pas ce qu'il faisait ici? Même en Europe, là où on est. C'est pas les travaux que les gens font là-bas. Les travaux qu'ils refusent. C'est ce qu'ils vont faire là-bas.
C'est le même travail. Qu'il fuit. De vider les faux sceptiques. Là, il vide les faux sceptiques. Pour ne pas exagérer. Pour qu'on exagère. Les travaux, la fête de la Bible. C'est ce qu'ils font là-bas en Europe. Vider les poubelles. Il y a même des frères qui veulent pas travailler. Ils veulent que la mendicité. Mais ce qu'on peut si tu vas en Europe. Parce que comment tu as monté les c'est bien. Osako vider ma poubelle. Tu vides les poubelles. Au matin, na car. Parce que tu es dans un car. Non, tu ne comprends rien. Ah, wa soke ba bengyo, yaka ko kanga ba Jésus, oti yaka na ba sachet. J'ai fait des sachets de Jésus, des entrailles ainsi de suite. Hein? Oui. Ba kingo ya soso, oti yaka na ba sachet. Faire des paquets là, des sachets. Tu n'accepteras pas. Ngana ko sa musala ndengwa na. Mais kuna misra ya ko sora yango. Mais là ce sont les travaux qu'on fait là-bas. Toutes les diplômes qu'on a ici. Ba diplôme notre joie. Là-bas c'est zéro. Kuna ezalo côté, libungutul. Il faut que vous ayez un diplôme, mais vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de paix. Quelqu'un peut être engagé là-bas avec le diplôme qu'il a eu. Tu dois reprendre les études. Tous les docteurs ici, tu vas là-bas et tu es un simple infirmier. Je vous dis la vérité. Non, c'est Vino Solo. Oui, oui. Docteur Okito. Docteur Okito. Il est avec nous à Bouende. Voyez-vous. Chef, il y a Frère Ndombe. Parce que Frère Ndombe est secrétaire. Frère Ndombe était secrétaire. Hein? Sous-régional, aujourd'hui, je crois, c'est provincial. De l'autre provincial. Provincial, il y a santé. De la santé. De la santé. Tel que vous le voyez là. Et Okito Azaki, médecin. Okito était médecin. Dans l'hôpital, frère Ndombe Azaki. Dans l'hôpital où frère Ndombe œuvre. Et ce médecin m'aimait beaucoup. Ce médecin il voulait même m'opérer gratuitement. C'est lui qui était contre ça. Tchao! Okito a opéré. Okito t'opère. Jamais, il a opéré. Non, non, il ne peut pas t'opérer. Et moi, c'est à voyager avec Napoto Liboso. La femme est allée à voyager. La Obali Alandie. Le mari l'a rejointe. Docteur ici, hein. Ah, Munga. Il arrive. Il a un pavillon. On lui donne un pavillon. Infirmier. Infirmier. Il tue Bantom. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as des piqûres là, faire des piqûres aux malades. Alors, jamais le rose. Il dit non, 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 je ne peux pas. Moi, je suis docteur. Docteur est où, papa? Munga, ouais, puis mon cher. J'étais au Congo là-bas. Ouais, on a RDC. Ah, on a Pototé. Notre sœur Chantal. Chantal, belle-sœur, il y a sœur Kavira. Qu'on appelait Chantal la belle-sœur de la sœur. Beaucoup la connaissent. Moi aussi, il y a frère Arsène. La femme de frère Arsène. Alors, il y a frère Langa. Elle dit frère Langa. Mon mari et moi, nous avons repris nos diplômes. Ma diplôme n'a nos diplômes ici ah ouais, ça, là, ne sont pas considérés. Hein. C'est zéro. C'est zéro. Ah ouais, il faut une chambre froide. Ici, il faut que tu aies un diplôme. Ou là, ici, normal. Tu viens avec la valise, diplôme, tu le mets dans la chambre froide. Dans la valise, tu vas à la chambre froide. Pour faire des paquets de sachets de poulet. C'est comme ça. Et ça, bongo. N'alembi malili, frère. Ah, j'en ai marre du froid, je suis fatigué. Mais quand on est dans la chambre froide, chaque jour, je suis dans la chambre. C'est pourquoi je reprends les études. N'attendez pas na bango mon quoi. Que j'étudie chez eux, chez moi. Quand on a consigné ça, je finirai. Ne na kozaka quand même na valeur. Alors j'aurai de la valeur. Tosalinga ina banda, après ngai ascend un peu à temps. Bon, moi je commence la première. Si quoi, on sont balé basili ça. Maintenant tous les deux misra ya bien. Ils ont mené un bon travail. Mais bato bazaka okima. Mais les gens fuient ici. Misra ngo bazaka okene ko. Les mêmes travaux, ils les font en Europe. Bande. Bizoso tozaka na mabele. Tous nous sommes sur la terre. Amen. Nous sommes ici-bas. Poto ezama belé. L'Europe c'est Amérique sur la terre. Ezama belé. L'Amérique c'est sur la terre. Ezalo la terre. C'est pas le ciel. Kuna pe bazo kufa. Là aussi il meurt. Kuna pe bazo bela. Là aussi ton malade. De même chez nous aussi. Dieu leur a prouvé le contraire. Ezama tali saki bango wa. Na corona wa. Par le coronavirus. Oyokaki na ba media. Vous avez appris par les médias. En Afrique. En Afrique. Bako kufa comme des mouches. Bako kufa lokola ba nzinzi. Ba africains bako kufa lokola ba mouches. Les Européens disaient que les Africains. Na corona. De corona. Monsieur Kotali ba cimetière. Monsieur Gale dans le cimetière. Et pas inabango nawa. Chez eux. Bango ne bakufa ke belé comme des mouches. Ceux qui sont morts nombreux comme des mouches. Dieu leur a prouvé le contraire. Zambatali saki bango kokesana. Parce que c'est Dieu qui garde. Zambenda batela ka. C'est Dieu qui sauve. Zambenda biki saka. C'est Dieu qui guérit. Zambende munganga. Et Dieu qui restaure. Zambenda zongi saka. Et qui nettoie. Perpetua la ka. Alléluia. Amen. Oh, bazangi ba aspirateur. Oh, en Afrique, ils n'ont pas d'aspirateur. Bazangi ba bonbon. Ils n'ont pas de bonbon. Bako suka wapi. Mais Dieu nous a donné bonbon. Dieu nous a donné ces bonbons à lui.
Nous sommes en train de respirer. Il nous a donné son souffle. Et nous respirons. Et nous vivons. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la fête du dernier discours. Vous voyez que Dieu a commencé à parler. Il a donné son premier discours au jardin d'Éden. Mais maintenant, nous sommes arrivés à son dernier discours. Alléluia. Amen. À son dernier message. Le message biblique est dit en dedans. C'est le dernier message. C'est le dernier discours de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La fête de son discours dans Ecclésiaste, c'est de craindre Dieu et à observer ses commandements. C'est la fête du discours. C'est l'achèvement du discours de Dieu. Un discours de la parole parlée. Discours de la parole parlée aujourd'hui. De la parole révélée. Voyez, frère, la parole parlée qui a été devenue la parole écrite. Aujourd'hui, c'est la parole révélée. C'est le dernier discours de Dieu. De sa parole révélée. Alléluia. Amen. Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est clair? Il nous faut le croire. Est-ce qu'il y a besoin qu'on dit maillet? Croire à son dernier discours. C'est le discours final. C'est l'achèvement des discours. C'est le dernier de tous ces discours. Le dernier de tous ces messages. Alléluia. Amen. Et que celui qui a des oreilles. Écoute, entende ce que le dernier discours de l'Esprit nous dit. De ce que l'Esprit nous dit dans son dernier discours. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Regardez comment il nous a promis. De nous faire asseoir avec lui. Afin que nous régnions avec lui. Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes nés de nouveau. En tant que des princes. Et nous régnerons. Avec le roi des rois. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Et ça sera à la voix du septième ange de trompette. Quand il sonnera de la trompette, c'est à ce moment-là, pas les mystères, mais le mystère de Dieu. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et cela est sa contredit. Le mystère de Dieu. Le mystère de la piété est grand. Et Dieu, Benzambe. Elohim, qui se cache Wabibomba. Et qui se révèle dans la simplicité, a été révélé en chair. Croyez-vous cela? Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu dans la chair humaine. Dieu qui est esprit s'est révélé personnellement dans un corps de chair ici sur la terre et on l'a appelé Yoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu Zambé. Est devenu notre parent rédempteur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça brûlait? Regardez même au moment de sa naissance. Les manches d'Oria sont venues. Selon Matthieu chapitre 2. Ils sont venus, ils suivaient l'étoile. L'étoile est prophétisée par le prophète Balaam. Oui. Et ils ont vu cette étoile. Et puis ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem. Et voici leur question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Voyez-vous cela? Il est le roi Dieu. Le roi sujet d'adoration. Le roi qu'on adore. Le roi qu'on vénère. Oui.
On s'agenouille. Devant lui. Bagumba makande le bosonaye. On l'adore. Basambe la kaye. On le glorifie. Bakumi sakaye. On le chante. Bayemba kaye. On le prêche. Bate kaye. On le croit. Bandi makaye. On l'obéit. Bato sakaye. Amen. Amen. Et on le suit. Pebalanda kaye. Et on garde ses commandements. Pebabate la kamala komaye. Pour prouver l'amour. Pour le côté de ses bolingo. Dont nous avons pour lui. Otozui nantina naye. Alléluia. Amen. Oh, Banabazam. Oh, enfant de Dieu. Et tu vois, je termine la lecture. Il dit, j'étais chez la foulée au pressoir. Et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Tout le peuple, je les ai foulés dans ma colère. Tout le peuple, je les ai écrasés dans ma fureur. Mais maintenant, leur sang a réjailli sur mes vêtements. Et panzanaki. Et j'essuyais tous mes habits. Pena bebisaki bilamba nanga nyonso. De leur sang. Ya makila na bango. Vous voyez? Omon. Par leur sang. Na makila na bango. J'essuyais tous mes habits. Na bebisaki bilamba nanga nyonso. Pourquoi? Pour nanine. Alors regardez le secret. Botala sekele. Et il nous révèle. Amon se bizango. Il dit car. Abizambi. Un jour de vengeance. Mokolo moko kobukanisa. Était dans mon cœur. Et zoma dikati na motema nangai. Je cachais ce jour-là. Jeko bomba mokolo ango. C'est un jour réservé. Ezali mokolo moko. Un jour de réserve. Mokolo bombombi. Était dans mon cœur. Ezala ki kati na motema nangai. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a fait, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Ne vous vengez point. Non. Le vengeur du sang est là. C'est lui-même qui vengera. Même les 6 millions de juifs, selon l'histoire, qui crient aujourd'hui sous l'autel, il dit jusqu'à quand tu tireras vengeance à cause de nos sangs. C'est à lui de venger. Ce n'est pas à nous. Tel qu'il m'a fait ça. Et l'enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Il ne menace personne. Même si quelqu'un il ne lui rendra que du bien. Moi, je le dis pas. Tu verras mon mal maintenant. Tu ne me connais pas encore. Il va encore des fois, tu as gardé le mal à toi. Où est-ce que tu es encore allé? Tu veux voir mon mal maintenant? Tu gardes toujours le mal. Un enfant de Dieu n'a pas de mal. Mon enfant a pétolama. Un enfant de Dieu a été purifié. A sukolama. Il a été lavé. À il était sanctifié. Voyez frère, mon nettoyé. Tu peux sortir le mal. Aller ramasser ça dans la mer de l'eau. Aller les déterrer là où il y a un peu de mal. Je te déterre un peu de mal. On commence à se moquer, à blaguer avec moi maintenant. Je veux un peu récupérer ce mal là. Oh. Oh. Ma sœur, de commence. Ok, nango wap. Tu vas où avec ça? Ne touchez pas à ce qui est impie. Kosimba somokete lo kambina. Ezra ya fausse doctrine. Ezra ya masou. Kosimba kate loko yambino. Ne touche pas à ce qui est impur. Kabona nango libela. Sépare-toi de ça pour toujours. Sukolama. Sois lavé. Oza la mise à part. Pour le service. Pona mosala. Pour un service. Pona mosala. Dieu t'a choisi. Pona kio. Pour un service. Pona mosala moko. Tu as entendu ce qu'on a entendu ce matin? Nous attendons la dernière action. Ici sur la terre. Nous attendons l'achèvement. Parce que tu as un âge et achèvement.
âge et achèvement. L'achèvement, c'est le chiffre 7. Tu es créé les cieux et la terre. Où tu es créé toutes choses ici sur la terre. Et au septième jour, il acheva son œuvre et il se reposa. Mais maintenant, nous sommes au septième âge de l'Église. C'est l'âge de l'achèvement. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu achève son œuvre. L'œuvre qu'il a commencé depuis le jour de la Pentecôte avec l'âge d'Éphèse. Il l'achève maintenant dans l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge de l'achèvement. C'est le dernier discours. C'est l'achèvement des discours de Dieu. C'est le dernier. Il ne reste que celui-ci le dernier. L'unique qu'il est en train de nous raconter aujourd'hui. Il a confié à William Marion Branham. Qu'il a confié à William Marion Branham. Pour qu'il finisse le livre. Qu'il nous l'annonce. Tango Branham Alongwe. Branham quitte. Ewa de Frank Akamati. Ewa de Frank Lepin. Atamboli Nango Namokili Mobile. Il parcourt avec le monde entier. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. Vous voyez, pour servir de témoignage. Et après quoi? Le jugement. Après quoi? La fête viendra. Après quoi? La fête viendra. Vous voyez, frère? Et j'en dis, je voyais. Je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel. Mais il tenait quelque chose. Et la chose qu'il tenait, il avait un évangile éternel. L'évangile du royaume. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Vous voyez, frère? Et cet ange-là, qui est appelé un autre ange, est différent du septième. Celui qui nous a apporté le dernier discours de Dieu. Quand il a terminé, à nous le lire, il a déposé le discours. Et va de Franck a ramassé le même discours. Et il a parcouru avec le discours dernier de Dieu sur toute la terre. Amen. Amen. Même ici chez nous, nous l'avons entendu raconter. Le message biblique est dit. Et nous avons crié à ce discours. Et nous nous préparons en conséquence pour aller là son retour imminent. Par rapport à son retour imminent. Car il revient. Jésus vient bientôt. Et nous l'attendons. Et en l'attendant, nous l'aimons. Et que celui qui aime le Seigneur soit béni. Et que celui qui n'aime pas le Seigneur soit maudit. Qu'il soit anathème. Et je vous dis un nouveau mot de passe. Mot de passe Yassika. Vous voyez, frère, un nouveau mot de passe. Mot de passe Yassika. Maranatha. 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 Je vous dis Maranatha. Amen. 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 Il s'agit du peuple de Dieu. Mais ce que vous l'avez dit, Lélo, si vous avez suivi aujourd'hui, il a dit que ce message devait parcourir le monde entier. Parce que c'est un dernier appel. Pour ébimisa le peuple de Dieu. Pour faire sortir le peuple de pour Dieu. Pour les hommes en captivité. Qui se trouve en captivité. Pour bah former une église. L'église est formée. L'église est peuple de Dieu qui sort de Babylone. C'est eux qui forment l'église. C'est eux qui forment l'assemblée. C'est l'assemblée des appelés hors d'eux. Église et yaba appelé hors d'eux. Église yaba bien ami libandana. Oyo ba se séparé na mokili. Ba kabona na mokili. Qui sont séparés des choses du monde. Des plaisirs du monde. Mokili longwe uta mitema na bango. Le monde est sorti de leur cœur. Le longwe na makanisi na bango. Le monde a quitté leur pensée. Le longwe na bongo na bango. Le monde a quitté leur mémoire, leur cerveau. Patikali pepele. Ils sont restés légers, légers. Batikali pepele pepele. Restez légers. Bayewana. Cela. Ne akosala ecclesia. C'est cela qui bango. C'est cela qui forme l'église. Bango ne ba membres ecclesia. C'est eux qui sont les membres de l'église. Omoni. Boyo ba échappé. Ceux qui ont échappé. La corruption qui existe dans le monde. Oyo amikati na mokili. Bango wana. C'est eux.
qui compose l'église de premier né. Bangwanande ba fils et filles de Dieu. Bangwanande bangonde. C'est eux. Bangonde. C'est eux. Ozomona frère. C'est vous, mon frère. Il faut qu'on y ait bakandengi. Faut connaître cela. Bangonde église ayanza. C'est eux l'église de Dieu. Sokozana kati na biso. Si tu es parmi nous. Mais nano bimana mokilité. Mais tu n'es pas encore sorti du monde. Okominano membre église te. Tu n'es pas encore devenu membre de l'église. Tolobite que membre assemblée à lingua. Nous disons pas que membre de l'assemblée. Okuko za la membre assemblée à lingua là. Tu peux être membre de l'assemblée. Mais ozali membre assemblée à Jésus. Mais tu n'es pas membre de l'assemblée de Jésus. Na lobina noté corps mystique. Je ne parle pas encore du corps mystique. Hein, corps mystique. Le corps mystique. Bazako bimalisu son église. Eux sortent encore de l'église. Ah. Ah oui. Donc, bon peuple yo ebimi na dénomination. Le peuple qui sort de la monde. Sort du monde. Bangwana ba former église. C'est eux qui forment l'église. Si quoi yo église et wana wana ya Jésus-Christ. Mais dans cette église de Jésus-Christ. Épouse kobima wana. L'épouse sortira de là. Et kobima uta wana. Elle sortira de là. Ba eli ba joami kaka wana. Les élus se trouvent parmi ba ko uta ne na kati église. Ils sortiront de l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'appels. J'aime bien ba zébélé. Ba appelé ba zébélé ba uta bi pa ne bi pa. Les appels sont nombreux, viennent de différents endroits. Mais tango ba sangani ba appelé bangwana ba sali église. Ce sont les appels qui forment l'église. Est-ce que bonjour landa? Vous suivez? Si quoi yo mais il y a peu d'élus. Parmi tous ces appelés là qui sont nombreux, il y a peu d'élus. Et les élus doivent sortir des appelés. Voilà. Bongo. Est-ce que ça pour elle? Est-ce que c'est clair? L'épouse doit sortir de l'église. Moi, si je vais la bima autant l'église. Et ce sont les chez l'épouse. Moi, si je vais là. Les membres qui composent cette épouse n'est pas encore des élus de Dieu. C'est eux les élus de Dieu. Mais les élus ne resteront pas seulement dans l'assemblée. Ils sortent de l'assemblée. Et ces élus-là, c'est eux qui constituent les troupes et les vainqueurs. Bon, bazako formé l'église ou l'assemblée des premiers nés. Bangonde ba premier né. Bangonde ba botami yambo. Nem de soi bozola ndabi. C'est pas si vous suivez bien. Bangonde ba premier né. C'est eux qui le premier né. Et tangongoro Yesu akozonga. Quand le Seigneur Jésus reviendra. Azozonga ndepa na kokamata bango. Il revient pour le prendre. Bangonde ba toli bosu akozala moissonné. C'est eux qui seront les premiers à être moissonnés. Akobuka bango liboso amemi bango. Il va premièrement les moissonner, il les amène au ciel. Mais récolte est silité. Mais la récolte ne s'arrête pas là. Parce que ma vierge folle peut bazar. Parce que les vierges folles sont aussi là. Appelé de l'église peut bazar. Les appelés de l'église aussi sont là. Kakandenge to buka ka iranga ya los. De même comme on moissonne les riz. Tope iranga ya masang. Ou le maïs. Ezana prémisse. Ezana mbuma ya bo. Ezali mbuma liboso ikomi na maturité. C'est le premier point. Oye na no buki yango. Tu viens d'abord les moissonner. Alors on met yango na ndako. Tu les amènes à la maison. Mais ojilishi misusu na no ikomi. Tu attends les autres qui n'ont pas. Oya ko buka yango na tango na ya. Tu viendras les moissonner à leur temps. Alors biso tozo buka maliboso na banche. Nous nous sommes moissonnés avant et tous. Et tango buki biso a même biso na ndako. Quand ils nous moissonnent, nous amènent à la maison. Na nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem. Toge na nokuna. Nous allons d'abord là-bas. Et basusu batika. Les autres restent. Bo wana bakoya ko buka mabale ki na grande tribulation. Ils seront moissonnés, passeront d'abord par la grande tribulation. Alléluia. Amen. Et tango bako buka ma. Ils seront moissonnés. Bako landa biso kuna te. Ils ne suivront pas là-bas. Bako zalaka ka. Ils resteront toujours ici. Et ba appelé. Ba bien ami. Bako tika na kaka ya ko lala na se a mabele. Ils resteront toujours endormis sur la terre. Ki no mbula nkoto eleka. Jusqu'à 1000 ans sont passés. Ki no biso tosi sa na ko dondwa. Jusqu'à ce que nous rentrions. Na ko régner. Et jusqu'à faire de Simaena. Après cela, Bango Bakoya. Eux aussi viendront. Bango Bakoya. Eux viendront. Basekwi. Ils ressuscitent. Baleki na jugement. Ils passent par les jugements. Toko kokuta na bango na éternité. Nous allons les rencontrer tous ensemble dans l'éternité. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Ngolunini. Totelema. Quelle grâce. Lovons-nous. Quelle grâce. Frères et sœurs, quelle grâce. Bande 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 ngolunini. Que Dieu nous a favorisés en Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, notre Dieu, le bon Dieu, il nous aime fort. Dieu, il nous aime fort. Il nous aime fort. Nous, tels que nous sommes ici, nous sommes aimés de lui. L'amour de Dieu est éternel. Dieu ne le changera pas. L'homme de Dieu a dit, celui qui croit au Rédempteur
en tant que son Seigneur et Sauveur personnel, il a la vie éternelle. Et s'il est sauvé, il est sauvé pour l'éternité. Et s'il est béni, il est béni pour l'éternité. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Alors, tous nous allons prier. Bondela. Prie. Njambe. Ojali obe yo mokote. Buzala kababaliti. Yo moko ozanzambe. Yo moko ozankolo. Yo moko ozamobate. Pambola. Dingomba na yo pambula mwana yo moko na moko wa mobali pe wa mwasi. Pambula basali na yo. Pambula musali na yo una sembo pe ya bokengi. Merci. Nazali kotondo yo. Merci mingi. Yo lingi biso. Merci. Merci Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car mes préceptes, mes enseignements, ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Yango koye samulai mikolo mpe mibu ya bomo ibwayo. Lile a ton cœur, en ton cou. Kangisango na kingona yo. Écris-le sur la table de ton cœur. Komango likolo etando ya motema na yo. En faisant ainsi, nakosala kabongo. Tu acquerras ainsi de la grâce. Okozwa bongo ngolu. Et une raison saine. Pe bososolo ya peto. Aux yeux de Dieu. La mission en Zambé. Et des hommes. Pe ya bato. Confie-toi à Yahvé de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ou ton intelligence. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tes voies, je crois. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Yahvé et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de Yahvé. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Car Yahvé châtie celui qu'il aime. Comme un père châtie l'enfant ou l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé
la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence et ainsi de suite. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Ne rejette pas ses enseignements, ses instructions. Ne rejette pas sa parole. Garde-les. C'est même la guérison de notre corps. Il est renvoyé sa parole. Il est guéri. La parole de Dieu peut sauver nos âmes. La même parole peut guérir nos corps. Oui. C'est comme cela que nous croyons. Il faut l'accepter, la croire, l'obéir et la mettre en pratique. C'est ça, frères et sœurs. Père du Seigneur Jésus, la gloire, c'est toi qui en es digne. Et l'honneur et les louanges. Nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Pouvons-nous rasseoir.